We are currently at a turning point. We're supposed to go to Albuquerque Airport in 2 hours to spend 5 days in Dallas. But we can drive from here. We can skip that flight from Albuquerque to Dallas and drive the whole way. We're debating, should we do it or not? And then we saw that Indian market on the highway signs, and they have blankets and fireworks. Two things that we need to go to the White Sands, which is the next thing after Dallas. So I think we're going to change the plans. Les lointaines là. Ah, c'est beau! La voiture, ça file! Salut la gang! Ça va? Route 66, Nouveau-Mexique, direction Dallas. On a plusieurs heures à tuer, puis on s'est dit que ce serait une belle occasion de parler en français, finalement. En gros, j'ai commencé en 2012. C'était en 360. Je cherchais à avoir une façon d'éclairer mon sujet dans le centre d'un anneau de caméra sans révéler les caméras. Donc la solution, c'était un éclairage très concentré dans le centre, et l'éclairage à la main était de loin la meilleure solution. Mais c'est vraiment pas évident. Puis bon, il existait déjà plusieurs styles de light painting qui ne rejoignaient pas vraiment, parce que moi je voulais avoir un sujet très très crisp, très défini. Puis en light painting, c'est difficile, sauf si tu flashes ton sujet. Mais là, encore là, si je flash mon sujet, je révèle les caméras, donc ça ne marchait pas des masses. En fait, c'est possible de le faire, mais bon, pour toutes sortes de raisons, je suis pas allé vers ça. Je me suis vraiment concentré à essayer d'avoir mon sujet bien éclairé. Et puis plus que j'augmentais la puissance de ma flashlight, plus je diminuais le temps d'exposition et plus que j'arrivais à mon objectif. Et puis après quelques semaines, je suis arrivé à cette technique une seconde. En une seconde, j'arrivais à bien éclairer mon sujet, à le garder très très défini, tant qu'il ne bougeait pas évidemment, et puis d'avoir un visuel cohérent. Donc le sujet est éclairé avec la même trace de lumière qu'on voit autour de lui ou d'elle. Et puis c'est ça que j'aime. Si on utilise des flashs externes, ça va. Souvent ça clash, ça ne matche pas. Sauf si évidemment on prend le temps d'utiliser des bons gels de couleur sur les têtes de flash. Mais là, ça devient beaucoup plus laborieux, parce qu'à chaque fois que tu vas changer la couleur de ton outil, ben, faut aller ajuster sur les têtes de flash. C'est pas une méthode de travail qui m'intéresse. Donc de tout faire à la main, c'est vraiment la façon de travailler qui m'a allumé. Ben voilà, ça fait 5 ans que je vis là-dessus. Puis ça a pris quand même un bout avant qu'on trouve les tubes. Ça fait même pas 2 ans encore. Donc c'est en fin de l'été 2015. Kim et moi, on était à San Francisco. On donnait un workshop chez Adobe. C'est principalement sur les techniques de light painting à une seconde. On avait déjà quand même beaucoup d'outils à l'époque. Mais un de nos amis sur place disait, allez chez Taplastic. Vous allez trouver plein de trucs très cool. Parce que pas mal tous les outils qu'on a vus, c'est do it yourself, c'est des trucs qui n'ont pas rapport au light painting aussi. Mm-hmm. Puis chez Taplastic, c'est du plastique, donc beaucoup d'acrylique. De plexiglas, de plaques, de toutes sortes de textures, d'épaisseurs.
ce qui est exactement ce que je cherchais. Mais en arrivant chez Taplastic, il y avait des gros bacs de tubes de 4 pieds donc, qui nous attendaient à l'entrée. Puis moi, je dis, waouh, c'est exactement ce que ça nous fait. On en a acheté juste un. Ça a coûté 2$. Puis le soir même, on était shooté avec ça. Puis on savait tout de suite que ça allait tout changer. On est retourné le lendemain. On en a acheté plusieurs couleurs. Et puis le soir même, on est retourné shooter. On était au Golden Gate Bridge. On a utilisé le tube orange. C'était tellement beau. Puis ça ouvrait tellement de portes pour nous parce que on faisait pas vraiment de light painting à l'extérieur. On en faisait juste en studio parce que c'est ça qu'on maîtrisait bien. On avait déjà essayé à l'extérieur, mais c'est vraiment difficile. Ce qui est cool à l'extérieur, c'est de pouvoir garder ton background, ton sujet, le light painting. Mais avec une petite source de lumière, la façon que je travaillais à l'habitude, ça fonctionnait pas bien. J'étais souvent visible. Puis le fait que le tracé était petit, dans un environnement grandiose, ça marchait moins. Les tubes, juste par leur taille, ils prennent plus de place dans le cadrage, mais aussi me permettent de disparaître beaucoup mieux. Donc voilà, c'est là que ça a commencé à San Francisco. Puis on est retourné à Montréal, on a publié des photos. Je pense qu'on les a juste publiées dans le groupe pour commencer. Et puis, Oudé Tiroche de Do It Yourself Photography a vu les photos, il dit ah, est-ce que je peux publier ça, puis avec les tubes. Je sentais que j'avais quelque chose de gros dans les mains. J'étais pas trop sûr si je voulais dévoiler ça tout de suite. Puis c'est quelqu'un que j'aimais bien, puis j'ai décidé de juste laisser aller les choses. Donc ça a été publié sur Do It Yourself Photography dans la journée, je crois. Puis quelques heures après, Petapixel reprenait tout le truc. Waouh, ça a vraiment été vite. Ça a parti un peu en fou, cette histoire de tube. Tube Stories. Histoire de tube. Comment les fabriquer quand on les trouve pas. Donc, en gros, si vous êtes au Canada, c'est chez Home Depot que ça se passe pour, je crois que c'est 6$ canadiens. Les tubes, c'est fait en plastique, ça sert à protéger les néons qu'il y a au plafond. Il existe deux modèles, T8 et T12. Les T8, c'est des petits, les T12 sont un peu plus gros. J'ai toujours les deux avec moi. J'utilise à certaines occasions différentes. Pour les amis en Europe, il y a plusieurs endroits où en trouver. C'est difficile de trouver les transparents, les clairs. Les colorés sont plus faciles à trouver. Donc, il existe plusieurs endroits. Je vais mettre ça quelque part dans la description. Pour tous les autres, si c'est impossible à trouver les tubes, il y a moyen de le rouler. Et puis, c'est ce que je faisais. Avant de travailler avec des longs tubes, j'en avais des petits et puis je les roulais moi-même. Donc, la façon la plus simple, c'est d'utiliser du papier parchemin, ce qui est du papier pour faire cuire des biscuits. Donc, vous en déroulez environ un mètre et demi de long. Vous le coupez et vous roulez le tout. Et puis, ça vous fait un tube qui est un peu mou, mais quand même qui est fonctionnel. Ensuite, pour mettre de la couleur, vous pouvez faire la même chose avec du papier cellophane de couleur. Il existe plusieurs matériaux différents que vous pouvez rouler. Dans mon cas, moi, ce que je fais, ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment d'avoir des filtres Roscoe qui sont faits pour les tubes. Et évidemment, c'est pas fait pour le light painting, ces trucs-là. C'est fait pour donner une teinte, une couleur au néon. Soit pour faire une ambiance dans des salles, pour des parties ou même pour le cinéma, d'avoir des néons avec une teinte très précise. Et donc, moi j'utilise un filtre Roscoe blanc pour avoir un peu plus de diffusion dans mon tube, ce qui peut être remplacé par du papier parchemin ou n'importe quel papier blanc, plus
un gel orange, modèle très précis que je vais aussi mettre dans la description. Les deux ensemble me donnent pratiquement toutes les photos oranges que vous pouvez voir dans ma galerie. J'ai certaines images qui sont plus jaunes qu'oranges et ça vient du tube original qu'on a trouvé chez Taplastic, qui se trouve aussi chez Amazon. Donc voilà pour les tubes lui-même. Ensuite, pour la lumière, ça prend une ou deux lampes torches, des flashlights qu'on met à l'intérieur. J'ai souvent cette question-là, comment faire tenir les flashlights? C'est tellement simple, c'est simplement de les rentrer puis c'est la clip sur le côté de la flashlight qui fait en sorte qu'on peut tout agripper ensemble. Pourquoi j'utilise deux flashlights? Deux raisons. Pour avoir plus de puissance quand je commence plus tôt dans la soirée, mais aussi pour avoir les stripes. On dit ça, les stripes. Bon, vous avez sûrement vu certaines de mes photos, il y a des rayures à l'intérieur. C'est en utilisant une des deux flashlights en mode strobe, donc ça clignote. Et vu qu'il y en a une qui clignote et l'autre est en continu, ça crée ces rayures-là. C'est beau. Les flashlights que j'utilise présentement, c'est des EagleTac D25. LC2 sont à 1200 lumens chacune et c'est de loin le meilleur outil que j'ai pu avoir. Avant d'utiliser ceux-là, j'ai eu la même chose en version Clicky qui est un peu moins puissante mais très bonne aussi. Et avant ça, j'utilisais les versions A2 du même modèle qui étaient avec des batteries AA. Je me suis entêté longtemps à travailler avec des batteries AA. Parce que je me disais, bon, vu qu'on voyage beaucoup, c'est des batteries qui sont plus faciles à trouver en voyage. Mais c'est 450 lumens au lieu de 1200. La différence est majeure. C'est beaucoup plus facile de travailler avec des lampes puissantes, surtout à cette taille-là. Elles ont un diamètre de tête de 22,5 mm. Et c'est ça qui permet de pouvoir en rentrer deux dans un tube T12. J'ai trouvé aucun autre fabricant qui a des têtes aussi petites que ça à même nombre de lumens. Mais si vous voulez expérimenter avec ça, pas besoin de tout de suite aller vers ça. Le fait d'avoir des lampes très puissantes permet de commencer à travailler plus tôt pendant le coucher de soleil. C'est le point majeur. Sinon, si on travaille de nuit, au lieu de travailler avec 2400 lumens, donc deux fois 1200, en pleine nuit, je vais descendre parfois à 60 lumens. C'est pratiquement rien. Ça veut dire qu'une flashlight à 1$ va fonctionner. Avec une seule flashlight au niveau le plus bas, c'est encore beaucoup trop puissant quand on travaille en pleine nuit. Donc, je mets du tape noir par-dessus la tête pour réduire la puissance. C'est juste pour dire que oui, c'est possible de travailler avec des équipements de moins bonne qualité ou minimalement de pouvoir commencer avec ce que vous avez à la maison. Tu es en train de faire une vidéo d'une heure? Je pense qu'on va avoir un petit job de montage à faire. Ah ben non, on va le mettre tel quel. Ce qui m'amène à parler des settings, les paramètres de la caméra. Et je me fais toujours poser la question, c'était quoi les paramètres de ta caméra? C'est pas si important que ça. En fait, l'important, c'est de balancer trois choses. Puis quand je dis trois, c'est quatre. Mais trois choses principalement, c'est oui, les paramètres sur la caméra, mais de balancer ça avec la puissance de la flashlight et la lumière ambiante. Le quatrième truc, c'est la vitesse du mouvement. Okay? Donc, il va un peu quand même avec les paramètres de la caméra parce que c'est votre temps d'exposition. Donc, si vous allez plus lentement avec le tube, vous augmentez le temps d'exposition. Donc, la clé, c'est vraiment de balancer ces trucs-là. Et pour vous donner quelques exemples, quand on commence à shooter, on est pratiquement toujours à 2400 lumens, 2 fois 1200 avec les deux flashlights EagleTac. Dans un tube
blanc, parce que c'est le blanc qui nous donne le plus de lumière. Quand le soleil est traversé de l'autre côté de l'horizon, il fait encore clair, on se voit encore très très bien. Les paramètres de la caméra, à ce moment-là, tenez-vous bien, F16, ISO 50, une seconde. C'est extrême comme ça. Et de là, il y a à peu près une heure entre le moment où on commence, qui n'est pas optimal, c'est ce qu'on a réalisé récemment. Même si on est capable, même si le tube est visible, c'est pas nos meilleures photos quand il fait trop clair. Il faut attendre encore un peu plus pour atteindre vraiment ce bleu profond. Ce bleu profond. Il faut attendre encore un petit peu. Mais pour se rendre une heure plus tard à la pleine nuit, où est-ce qu'on va utiliser environ 100 lumens, une seule flashlight à 100 lumens, et les paramètres de la caméra vont être environ 4 secondes, ISO 1006, 3200, et puis F2.8, et je me suis même rendu à F1.4, ça donne des très bons résultats. F1.4, ISO 800, en pleine nuit, magique, magique. On vient de voir les tubes, les flashlights, les paramètres. Maintenant, quoi porter? Autant pour le modèle que le Light Painter. Je pense que ça peut être n'importe quoi. C'est sûr que pour faciliter la tâche au Light Painter de se camoufler, c'est plus facile si le modèle porte quelque chose de ample. C'est une des raisons pour lesquelles je suis principalement toujours en robe ou en jupe. Cela dit, c'est possible aussi de se camoufler derrière autre chose. Donc, si par exemple, il y a une roche ou n'importe quoi qui crée deux niveaux, puis que le Light Painter se met derrière, ben là, à ce moment-là, on règle le problème des jambes qui doivent être camouflées. Donc, ça donne plus d'options au niveau peut-être du vêtement en tant que tel. Pour le Light Painter, ben en extérieur, Eric est souvent habillé. Comme ça. Demain, en short. La raison principale pour laquelle c'est pas si important d'être bien totalement en noir à l'extérieur, c'est surtout par rapport au fond, à ce qu'il y a derrière vous. Puis même si vous êtes habillé en noir, si vous venez debout puis vous prenez la photo, vous bloquez ce qu'il y a derrière vous. Mm-hmm. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'être caché derrière le modèle le plus possible. Oui, puis après, ben le type de tracé aussi va aider à camoufler la personne qui fait la lumière. Oui, c'est ça, parce que à la limite, là, tu pourrais être en short ou en legging à l'extérieur, mais pour moi disparaître, il faudrait toujours que j'aille amener le light painting jusqu'en bas complètement. C'est ça. Donc même ça, c'est possible, c'est juste que ça te donne moins d'options. Pas de... Attends, je suis pas prêt. Quoi d'autre? Évidemment, le rond parfait. Comment faire un rond parfait? Je vais le faire. Donc, imaginons ensemble, toi à la maison, imaginons que ça, c'est un tube. Okay? C'est une autre question qui revient souvent. Comment tu fais, Eric, pour faire un rond parfait? Okay? Fait que je vous donne le truc. Un, c'est d'éviter un overlap. Qu'est-ce qu'un overlap en français? C'est quoi le mot? Overlap. Okay. Sur cette paille, je vais écrire en français ce que c'est overlap. Donc, pour éviter les overlaps, vous allez toujours commencer et terminer votre tracé derrière une jambe du modèle. OK? Ça permet vraiment de ne pas voir le début puis la fin. Sinon, bien ce que vous voudrez à la maison, mais moi j'essaie d'éviter de voir l'overlap. OK. Donc maintenant qu'on a bien compris ensemble qu'on se met derrière une des jambes pour commencer de terminer. Donc j'ai toujours commencé par en bas évidemment. Et là j'essaie d'avoir mon bras très tendu comme ça. Je suis à une lumière rouge en passant, OK? Oui. Je suis pas en train de conduire. Et puis
Donc, je commence par en bas, comme ça. J'ai mon bras qui est bien tendu. Et regarde comment je vais tourner mon poignet jusqu'à me rendre à l'endroit où j'ai commencé. Dans mon cas, c'est comme ça que je le fais quand je peux, quand j'ai assez d'espace. C'est ce qui est le plus simple pour moi de faire un tour complet en utilisant uniquement le poignet. OK, mais quand même, dis ton truc pour... OK. Donc, il faut que je triche. Je vais essayer de le faire avec ce non-espace-là, mais donc je le fais pas juste au niveau de la rotation, mais pour aller chercher plus de rotation, je vais impliquer mon tronc. Donc, je fais une... Bon, c'est pas vraiment une translation, je fais une inclinaison d'un côté et de l'autre. Comme ça, ça me permet de faire le cercle au complet. Pour les autres shapes, la plupart du temps, je commence en haut, puis il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Je vais souvent juste suivre la pose que Kim va prendre. Donc, si elle prend une pose horizontale, bien, je vais peut-être juste passer avec le tube derrière elle, très simple, en une seconde, flac. Ou sinon, genre de fleur, donc je vais partir en haut, 1, 2, 3, 4, vers le bas. Sinon, les spirales, je commence en haut et je tourne en descendant, en reculant. C'est la seule forme où je me déplace vers l'arrière. Quoi d'autre? La chandelle, je vais commencer juste un petit peu incliné, je descends et puis, oups, je reviens. Ou je reviens pas. Des différentes variations. Une autre question qui revient souvent, c'est comment est-ce que c'est possible de rendre le modèle visible et que ce soit pas juste une silhouette? Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs petites astuces ici. Quand je veux vraiment m'assurer d'avoir de la lumière sur Kim, et puis pour moi, c'est pas je fais des silhouettes et moi, ça me convient. Mais on me redemande continuellement comment éclairer le sujet, puis ça, c'est un des trucs. Donc, Kim est... Les deux doigts ici, c'est Kim. Et donc, je vais commencer mon tracé en allant avec ma lumière juste un petit peu en avant de Kim. Et après, je m'en vais vers l'arrière et je continue mon tracé. Donc, ça va amener juste assez de lumière pour l'éclairer. Si vous restez trop longtemps, ça sera pas tellement beau. Faut vraiment pas en abuser. C'est comme de l'éclairage studio, mais fait à la main. Mais vous contrôlez vraiment la dose. Donc, en studio, pour ceux qui sont habitués d'utiliser des flashs, des parapluies, les softbox, vous allez placer vos paramètres. Mais en light painting, vous le contrôlez à la main. Et donc, cette puissance-là, vous l'avez avec le temps d'exposition à chacun des endroits que vous allez passer. Donc, si je vais éclairer son côté gauche, son visage, par exemple, bien, je vais passer juste une petite fraction de seconde de ce côté-là et je vais continuer vers l'arrière. Je vais rarement aller éclairer l'autre côté du visage. Comme en éclairage studio, on va pas mettre la même puissance sur le flash de gauche et le flash de droite. Souvent, ça va être un seul flash avec un réflecteur de l'autre côté, ce qui donne moins de puissance d'un côté, qui donne un éclairage plus d'un côté seulement. C'est la même chose dans light painting. Vous pouvez atteindre ce niveau de précision-là à la main. Puis c'est ça la beauté de la technique. C'est beaucoup plus artisanal que de placer la technologie puis de peser sur le bouton. Puis c'est entre autres pour ça que j'aime le light painting. Je suis pas derrière la caméra, je suis avec le modèle en train de crafter. En train de créer la lumière. Le créateur de lumière! Le créateur de lumière! Ça, c'est la première façon d'éclairer le sujet. Après, il y en a deux autres auxquelles je peux penser qui sont directement reliées au lieu où on va faire les photos. La première, ça va être d'utiliser la lumière ambiante. Si on fait face au coucher de soleil, même si le soleil est derrière l'horizon, il reste quand même un moment de lumière qui va être assez pour éclairer. Ça va être la même chose avec la pleine lune. Donc, généralement, la pleine lune va être assez puissante pour éclairer. Troisième point. 1. Soleil. 2. Lune. 3. Réflexion. Si la lumière du bout du tube est réfléchie dans l'eau, principalement, ça va créer assez de lumière pour aider à éclairer le sujet. Ou aussi, toute autre surface. Si, par exemple, vous êtes en dessous d'un pont ou dans un tunnel, puis que la lumière est réfléchie sur les murs, c'est le même principe. Sur le plafond, ça aide vraiment beaucoup.
le sujet devient beaucoup plus visible quand la lumière rebondit. Encore là, c'est comme en photo studio. Même principe, si vous avez la lumière qui rebondit, vous allez avoir un sujet éclairé beaucoup plus facilement. Okay. On est officiellement sur la route 66. Ok, donc c'est quoi la route 66? Je pense qu'on va ajouter ça en track audio par-dessus. Parce que c'est pas vraiment. On sait pas trop c'est quoi la route 66, mais on sait que c'est important. C'est écrit Historic Road. Puis partout où on arrête, tu peux t'acheter un t-shirt, des bobettes, des bas avec la route 66 dessus. Fait qu'on se dit que ça doit être quelque chose. Donc, on continue. Une autre question qui revient souvent. Comment avoir plus de lumière dans le tube? La lumière ne se rend pas jusqu'au bout du tube. Quoi faire? Donc, il y a beaucoup de trucs, mais quand même, je vais commencer par dire que moi, la première fois que j'ai fait du light painting avec un tube, j'avais un seul tube clair et aucun truc. Et ça fonctionnait. J'avais la lumière d'un bout à l'autre. Donc, j'avais les bonnes flashlights. Pour moi, c'est vraiment le bon truc pour commencer, d'avoir des bonnes flashlights qui vont envoyer la lumière bien à côté sur le tube. Sinon, si ça va pas, il y a plusieurs trucs. Un, d'ajouter du papier à biscuit. Deux, de sabler le tube. Donc, c'est vraiment avec du papier sablé, de le gratter. Trois, de le peinturer. Comme vous voulez, moi je fais pas ça parce qu'on travaille beaucoup dans l'eau, puis pour moi ça fait pas de sens de le peinturer. 4, d'ajouter un cap, un bouchon au top avec soit du papier blanc, du papier métallique pour faire rebondir la lumière, ça aide beaucoup. 5, d'ajouter une lanière de papier d'aluminium à l'intérieur. Ça augmente vraiment la puissance de la lumière tout le long du tube. Donc tout ça, c'est des trucs que vous pouvez utiliser aussi si vous n'avez pas des lumières très puissantes. C'est des petits trucs très très simples et pas coûteux qui aident à avoir plus de lumière. Ça se peut-tu aussi si le tube est sale? Tu sais, comme si quand il y a de la poussière, ouais. Ça va aussi être... Oui, c'est le même principe. La poussière, si le tube est sale, c'est le même principe que de l'égratigner ou de le sabler. Ça ajoute de la texture et la lumière va plus facilement s'agripper. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Sinon, Pixel Stick, c'est une autre solution. Les choses qu'on va rajouter au top du tube pour ajouter... De la texture. Comment ça s'appelle les sparklers déjà? En français, il y a un nom pour ça. On appelle ça des étincelles. Alors, la première fois que je pense qu'on a mis quelque chose au bout d'un tube, c'était des étincelles. Et puis, c'est très simple. On fait juste les accrocher avec des élastiques au top du tube. On les allume, puis on tourne le tout. C'est simple et efficace. C'est souvent magique. C'est pas compliqué à faire. Ce qu'on a commencé aussi à faire récemment, c'est avec des plumes. C'est vraiment chouette ça parce que la plume, elle va souvent prendre dans le vent. Ça va amener des petites formes irrégulières. Ça apparaît, ça disparaît. Et j'aime ça, c'est très organique, c'est très, très fluide. Je pense que ça conclut pas mal tous les trucs spécifiques au tube. En annexe, okay, je pense que pour beaucoup, ceux qui sont déjà très avancés en photographie, c'est pas utile cette partie-là, mais pour ceux qui débutent, je vais expliquer vraiment tout l'équipement nécessaire et comment se préparer. Donc pour faire du light painting, ça prend un DSLR, c'est assez inévitable. Ça fonctionne aussi avec des mirrorless, des appareils sans miroir. Ça va vous prendre une télécommande. Moi, j'utilisais longtemps des Yongnuo qui ça coûte 30$ pour une paire, donc c'est vraiment pas coûteux. Ça fonctionne relativement bien. Ce que j'utilise présentement, c'est des Impact 1680 qui sont un petit peu mieux. Donc, ça vous prend une manette parce que vous allez vous-même décider du temps d'exposition
de votre photo. Donc, vous allez placer votre appareil sur un trépied, très important, ou sur une surface stable. L'appareil en mode bulb, bulb, B-U-L-B, qui permet de décider le temps d'exposition. Donc, du moment que vous appuyez sur le déclencheur jusqu'au moment que vous relâchez, c'est le temps d'exposition. Ce qui vous permet de faire un tracé du temps que vous désirez. Qu'est-ce que j'ai besoin? Trépied, déclencheur, caméra. Voilà. On est sur le point de traverser la frontière pour le Texas. Je n'y vois pas encore. J'espère que tout ça, c'était bien clair. Si ça ne l'est pas, vous pouvez vous joindre à notre groupe d'apprentissage. Ça parle un peu toutes les langues là-bas. Moi, je réponds en anglais et en français. C'est tout ce que je peux faire. Donc, si vous me posez des questions en français, je vais répondre en français. Merci à tous pour votre merveilleuse attention.